En réalité, ça n'est pas une campagne électorale que mène Emmanuel Macron. C'est une OPA sur l'Élysée. Pensée comme telle, avec des financiers, avec une stratégie marketing, un conseil d'administration. C'est une OPA. C'est une OPA que tente Emmanuel Macron avec les méthodes d'une entreprise sur l'Élysée. Et cela est très loin, très très loin d'un projet politique. Si l'objectif des politiques publiques, c'est juste baisser le chômage, mais en contrepartie d'une augmentation de la pauvreté, est-ce que notre objectif à nous, la gauche, c'est d'augmenter le nombre de pauvres? Non. C'est de baisser la pauvreté, de baisser le chômage en même temps. Et donc, comment faire? Le revenu universel d'existence est justement une mesure de revalorisation du travail et de relance de l'économie simultanément.